Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve pour une vidéo d'épalage de mon nouveau casque. Et oui, j'ai un nouveau casque, donc je remercie bien sûr Anto pour le nouveau casque. Non, c'est pas lui qui me l'a acheté, croyez pas. C'est moi qui l'ai acheté sur Amazon 20 €. À la base il devait arriver hier, donc lundi. Il est arrivé aujourd'hui parce que soi-disant le livreur, il est resté un quart d'heure en bas de chez moi. Il n'a pas trouvé, soi-disant... mon nom sur l'interphone, bref. Donc voilà, parce qu'au début j'avais ce micro là, un peu dégueulasse, comme vous voyez, en fait, de téléphone. Et à la force, bah je mettais ça au niveau de la bouche, pour bien qu'on m'entende. Parce que quand je jouais avec la team Derby ou avec Damien, en fait on m'entendait mais très loin, ou ça marchait pas. Donc du coup, à chaque fois je mettais le fil dans la bouche pour les personnes qui m'entendent. Donc c'est pas très 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 bien, vous allez me dire. Donc je me suis acheté un casque, 20 € sur Amazon. Après, il est efficace. Il est bien, je me suis renseigné sur Anto parce que lui il l'a acheté aussi la semaine dernière. Vous allez me dire, ouais, mais t'as recopié sur lui. Non, non, c'est pas le but en fait, c'est juste tout simplement, bah il m'a donné envie de l'acheter. Et je me suis dit, ouais, bah le souci c'est que moi, c'est vrai, j'avais des écouteurs de téléphone et c'était de la merde, on va dire, entre guillemets. Donc je préfère avoir un casque pour mieux jouer et entendre d'un côté que avoir des écouteurs de téléphone. Donc 20 € sur Amazon, je mettrai le lien dans la description. Je remercie encore une fois Anto. Et du coup, je voulais vous dire aussi, tout simplement, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de vous abonner, de me donner votre avis sur le casque. Donc voilà, le casque, il est vraiment stylé, bleu et noir. Il est vraiment beau, rien à dire, il est bien confortable. Voilà, au niveau du micro, c'est comme ça. Donc moi, j'ai jamais eu un casque comme ça. Si peut-être le premier de la qu'on a eu avec la console, mais après, c'était pas pareil. Parce que c'est vrai, quand je vous montre encore une fois, ça, quand tu l'as au niveau de la bouche, tu mets les fils au niveau de la bouche et tu parles comme ça, c'est un peu chiant. Donc voilà. Le petit souci, c'est qu'il m'a dit, fais gaffe quand tu vas parler avec le casque, enlève d'un côté une oreillette parce que sinon tu vas pas t'entendre parler. Donc voilà, je vais vous montrer au niveau des câbles. Donc parce que en fait, si tu parles trop fort, bah, en fait ça va déranger tes parents. Donc faut faire un peu gaffe, mais sinon c'est pas trop méchant. Et pareil, il y a un bon son au niveau de la musique et de la console, donc on verra bien ça par la suite. Et j'ai hâte de le tester, tout simplement. Donc voilà, il y a plusieurs câbles. Je crois qu'il m'avait dit que ça va aussi sur les PC ou les anciens PC, je sais plus, ça c'est un bouton pour allumer. Le micro, ça c'est vraiment pas mal pour allumer ou éteindre le micro. C'est un truc en plus, c'est vraiment cool. Là on a encore des autres câbles. Ça ressemble à un truc de la manette de la Xbox, donc je sais pas. Enfin, regardez sur la notice. Je sais pas, on va se débrouiller tout seul. J'ai envie de dire, je regarde pratiquement jamais les notices. Ça dépend après si ça me saoule, oui. Mais après, c'est à tester, à brancher, puis on verra bien. Si j'entends de la musique, c'est-à-dire ça marche. C'est pas compliqué, j'ai envie de vous dire. Donc je vous mettrai le lien encore une fois dans les commentaires. Donc voilà, au niveau des oreilles ça ressemble à ça, et au niveau de la tête c'est un peu en mousse, pas vraiment, c'est du, oui c'est de la mousse, c'est pas dur en fait, ça fait pas mal à la tête parce qu'il y a des casques, des fois c'est un peu plus dur que ça, et là c'est en fait c'est un peu comme de la mousse, et donc du coup ça fait du bien à le poser sur la tête. Donc ça vaut vraiment le coup pour 20 €. Je préfère mettre 20 € que mettre 90 € ou 100 € dans un casque, parce que quand on regarde des fois c'est cher. Et voilà, je vous montre un peu la notice pour les personnes qui veulent voir. Après, à vous de me donner des avis dans les commentaires. Vous allez peut-être me dire, ouais, c'est de la merde ou pas. Moi, je sais pas. Moi, je prends ce casque-là, s'il est bien, s'il me dure longtemps, je m'en fous. Je préfère mettre 20 € qui dure longtemps que mettre 90 € ou 200 € que le casque qui dure pas longtemps. Après, le prix, ça va rien dire. C'est la qualité du casque, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Moi, je dis encore merci à Anto. C'est grâce à toi que je l'ai. Et moi, je vous dis bon game et ciao. Bye bye. Salut tout le monde. Peace. Bon game à tous. Salut.